chance, la chance n'est pas avec moi. Nous n'avons plus rien! Nous n'avons pas les moyens d'équiper une infirmerie! Auguste! Auguste! C'est moi, Roselin! Auguste! Parle-nous, Auguste! Je veux pas mourir! Je veux pas mourir! Mais tu vas pas mourir! Allez, donne-moi la main! Ce risque. Les autres ont bien réussi. Les autres ont eu de la chance. Mais maintenant, ils surveillent plus qu'avant. Vous n'irez pas bien loin, c'est moi qui te le dis. Et alors, justement, c'est ça que tu veux. Tu vois pas qu'on va tous y laisser notre peau. Excusez-moi d'intervenir, monsieur l'inspecteur, mais ce n'est pas le meilleur choix que vous pouvez faire. Il s'agit d'un rejeton de la bande des Couduriers. Son père et trois de ses hommes sont à Cayenne ou en prison. C'est de la graine d'assassin. Et monsieur le directeur, l'une des principales raisons d'être de votre établissement n'est-elle pas, justement, d'arracher les enfants à la néfaste influence de leur milieu ? Dis, mon enfant, juste un moment, dis, mon garçon, quel est ton nom ? Je vais te poser une question, mais réponds, mon garçon, sans crainte ni hésitation. Mais c'est faux, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas eu la moindre amende, je remets 4 ennemis au Levant. Ni après mon évangile, la mutinerie. Oh, c'est pas moi qui ai écrit ça, hein. Mon prédécesseur. Un jour ou l'autre, j'aurai ma revanche. Comme on dit chez moi, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Je n'ai pas d'amertume. Je n'ai pas de rancune. Mais non, je ne pleure pas. Combien de fois les yeux tournés vers l'horizon,
qu'il rêvait de s'échapper de la prison.